Hola, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Meal Prep. Pour ceux qui ne l'auraient pas vue, j'ai fait précédemment une vidéo retour de course concernant mes repas de cette semaine. J'ai réussi à prévoir un budget de 35 euros pour deux personnes, et autant vous dire que je suis plutôt satisfaite, car c'est assez difficile avec l'augmentation de pouvoir se nourrir sainement à petit prix. Je vous mets le lien de mon retour de course en barre d'infos. Tout d'abord, pour commencer chaque meal prep, je nettoie tous mes fruits et légumes. Ça me permet de gagner du temps sur la semaine. Vous avez simplement à remplir votre lavabo d'un fond d'eau et de rajouter une goutte de vinaigre blanc. Ça permet de décontaminer parfaitement tous vos aliments. Pour la deuxième partie de mes meal prep, je découpe tous mes légumes, ce qui me simplifie également les préparations repas de la semaine. Je les conserve ensuite dans des boîtes hermétiques que je place au frigo. Si vous découpez vos carottes, céleri ou pommes de terre, vous devez les conserver dans de l'eau. Elles resteront humides et conserveront toute leur fraîcheur, leur couleur et leur croquant. En troisième partie, je prépare les sauces. Pour ça, j'ai décidé de faire deux sauces vegan qui m'accompagnera sur plusieurs de mes recettes. Pour la première, c'est une sauce au curry et harissa. Pour ça, je commence par mettre l'équivalent de 150 g de pois chiche, un demi-jus de citron pressé, une bonne cuillère à café de curry. Je rajoute également une cuillère à café d'harissa, une cuillère à soupe de sirop d'érable, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, puis n'oubliez pas comme moi de mettre 12 cl d'eau. Je l'ai bien évidemment rajouté avant le mixage. Je referme mon gobelet, puis je mixe le tout jusqu'à faire une sauce lisse et homogène. Personnellement, j'ai mis une cuillère à café d'harissa, mais vous pouvez en mettre beaucoup moins selon votre goût. Pour la deuxième, ça sera une sauce à base de noix de cajou. Celle-ci est vraiment ma préférée. Pour la réaliser, je place 65 g de noix de cajou, 12 cl d'eau, une cuillère à café d'harissa, une gousse d'ail haché, un demi-jus de citron vert, et je termine en y mettant un peu de sel. Je referme mon pot et je mixe l'ensemble. Regardez-moi un peu la texture de cette sauce. Elle est juste incroyable. Je vais me garder la recette de côté car franchement, je risque de la refaire assez souvent. Juste après avoir préparé les sauces, je vais faire gonfler mes haricots noirs. Personnellement, je vous recommande de les prendre en conserve, ça sera beaucoup moins compliqué que de les cuire vous-même, car il faut les tremper 4 heures dans de l'eau froide, puis les faire cuire pendant 1h30. Et je peux vous dire que c'est vraiment très long. Vous pouvez acheter votre boîte de conserve chez Coro pour seulement 1,50€. Et personnellement, c'est le prix que je les ai achetés en format sec. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous bénéficiez de 5% sur tous les sites grâce à mon code promo PODIOLI5. Avec leur petit prix, je suis en train de refaire tous mes stocks d'oléagineux et je peux vous dire que franchement, je suis vraiment trop ravie de la qualité de leurs produits. Passons maintenant aux recettes du lundi. Pour le petit déjeuner, je décide de me faire un croque-monsieur revisité. C'est une option végétarienne à base d'avocat et tofu qui est simplement délicieuse. Cette recette est vraiment très rapide à réaliser pour ceux qui, comme moi, n'ont pas tellement le temps le matin. Pour ça, je prends un demi-avocat que je place dans un récipient. Je presse un quart de citron jaune, puis j'écrase ma préparation à l'aide d'une fourchette. Je rajoute du sel, du cumin et de la coriandre, puis j'écrase entre mes doigts environ 30 g de tofu nature. J'émince un peu de persil, puis je mélange le tout. Il ne me reste plus qu'à mettre ma préparation sur un morceau de pain demi-complet. Je l'étale. Si vous souhaitez prendre deux croque-monsieur le matin, n'hésitez pas à doubler les quantités de la préparation d'avocat. Je referme pas son sandwich, puis c'est parti, je le place dans ma machine à croque-monsieur. C'est vraiment un petit déjeuner que j'apprécie énormément. Je sais pas si vous êtes team salé ou team sucré le matin, mais en tout cas, personnellement, j'aime bien intervertir entre les deux. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous préférez pour vos petits déjeuners car ça m'intéresse beaucoup. Pour le repas du midi et du soir, j'ai décidé de faire des tacos végétariens. J'ai pour habitude de cuisiner le soir et utiliser la même recette pour le lendemain midi, mais là, personnellement, ça ne m'a pas dérangé de manger le même repas le midi et le soir, car les recettes restent assez gourmandes. Pour la réaliser, j'ai commencé par couper en petits cubes une grosse patate douce. Dans un saladier, je verse une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de cumin moulu, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café d'ail en poudre, ainsi qu'une demi-cuillère à café de sel. Je rajoute l'équivalent de 3 quarts de chou-fleur coupé en morceaux, les des deux patates douces,
puis je mélange ma préparation. Je l'étale sur une plaque recouverte de papier cuisson, en mettant tout sur une couche homogène et bien à plat. J'enfourne ensuite mes légumes pendant 25 minutes à 200 degrés. Pensez à couper la plaque à mi-cuisson pour être sûr que les légumes soient bien cuits. Pendant le temps de cuisson, je prépare mes coques à tacos. Pour ça, je prends environ 6 fajitas que je plie en forme de coque, puis je mets des petites verrines pour les faire tenir en place. Bien évidemment, j'en ai mis à l'intérieur pour éviter qu'elles ne tombent. Vous les enfournez environ 5 à 7 minutes à même puissance que vos légumes, soit 200 degrés. N'hésitez pas à regarder de temps en temps car ça cuit d'un coup et peut noircir très rapidement. Toujours pendant le temps de cuisson, je prépare la guacamole en mettant un demi-avocat, du sel, du poivre et un quart de jus de citron. J'écrase ma préparation jusqu'à qu'elle devienne d'une texture guacamole. Dès les 25 minutes de temps passé, je rajoute l'équivalent d'une boîte d'haricots noirs dans le four et je poursuis la cuisson encore 5 minutes. Je remplis ensuite mes coques de petits légumes et haricots noirs. Je rajoute par petite cuillère la guacamole, puis je verse un peu de sauce de noix de cajou par-dessus. Ça se marie très bien avec les tacos et je vous assure que vous allez vous régaler. Je rajoute quelques noix de cajou entières par-dessus et le tour est joué. Je me rajoute un petit pot de sauce sur le côté, au cas où je dois à nouveau assaisonner mes tacos, et je mets un peu de coriandre ou de persil par-dessus. La recette est terminée. De quoi régaler vos papilles. C'est une recette que je vous recommande à 100%, car elle est vraiment délicieuse et excellente. Pour le petit déjeuner du mardi, je décide de faire un porridge. Ce matin-là, j'avais envie de sucré. D'ailleurs, celui-ci est l'un de mes porridges favoris. Pour le réaliser, il suffira simplement de couper une demi-banane et de l'écraser à l'aide d'une fourchette. Le résultat doit faire une belle purée. Je la transvase dans une casserole, puis je rajoute 50 g de flocons d'avoine fins de préférence. Je verse 20 cl de lait d'avoine, ainsi que 20 cl d'eau. Selon votre goût, vous pouvez rajouter un peu de cannelle. Je rajoute une cuillère à soupe de sirop d'érable, puis je mélange la préparation. Je place ma casserole sur le feu pendant 5 à 7 minutes, le temps que mon porridge s'épaississe. Vous pouvez doser le temps selon la consistance que vous souhaitez. Plus de temps vous le laissez, et plus il sera crémeux. Pendant le temps de cuisson, je prépare quelques amandes en les coupant en petits morceaux. Je coupe également en petites rondelles le reste de ma demi-banane. Puis je transvase mon porridge dans mon bol de noix de coco. D'ailleurs, celui-ci vient également de chez Courant. Je rajoute une bonne cuillère à soupe de fromage blanc, puis quelques amandes, des rondelles de banane, un peu de sirop d'érable par-dessus, ainsi que quelques graines de chanvre. Et voilà votre porridge terminé. Je peux vous dire qu'il vous calera toute une matinée. C'est l'un de mes petits déj préférés. Je le montre pas assez souvent dans mes vidéos, mais je vous assure que je me fais une quantité astronomique de porridge durant mes semaines. Pour le midi et le soir, j'ai décidé de faire des coffres de patates douces. Elles sont garnies d'œufs, de bacon et de salade. C'est une recette que vous pouvez faire de base le matin, mais je préfère l'adapter pour le repas du midi. C'est une recette vraiment excellente et le fait de le faire à la patate douce, ça rend les gaufres encore plus moelleuses. Pour commencer cette recette, j'épluche et je coupe en petits cubes 300 g de patates douces. Je les fais cuire ensuite dans une casserole avec de l'eau pendant 10 minutes. J'égoutte mes petits dés, puis je les transfère dans un saladier. J'écrase à l'aide d'une fourchette jusqu'à faire une purée lisse. Je rajoute un œuf, 35 ml de lait végétal, ainsi que 100 g de fromage blanc. Je mélange ma préparation, puis je rajoute un demi-sachet de levure chimique, 80 g de farine, suivi de 50 g de maïzena. Je mélange à nouveau ma préparation jusqu'à faire une pâte homogène. Pour terminer, je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, et je remélange. Je passe à la cuisson de mes gaufres. Pour ça, je mets l'équivalent d'une petite louche par plaque, soit l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe remplie. Puis je les fais toutes à tour de rôle. Je vous recommande vraiment de faire cette recette car elle est vraiment délicieuse et super moelleuse. Ça change des gaufres habituels. Dès que les gaufres sont toutes cuites, je passe à la cuisson de mes œufs et du bacon. Pour ça, j'utilise des emporte-pièces ronds pour éviter que mes œufs prennent toute la poêle. Puis je les cuis à feu doux. À l'aide d'un couteau, je les décolle et j'attends encore un peu. J'ai rajouté 3 tranches de bacon et je laisse cuire quelques minutes.
Je prépare ensuite mon assiette en plaçant 3 gaufres de patates douces, une bonne poignée de salade. Je remplis un petit récipient pour faire ma vinaigrette avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, ainsi qu'une cuillère à café de vinaigre balsamique. Vous pouvez rajouter éventuellement une pointe de moutarde. Je l'assaisonne en salant et poivrant, puis je la mélange. Je rajoute un demi-avocat coupé en tranches fines, ainsi que mes 2 œufs sur les gaufres. Je mets mon bacon, ainsi qu'une petite pincée de graines germées qui me restait dans le frigo. Je complète avec quelques morceaux de tomates cerises et le tour est joué. J'ai parsemé de quelques graines de sésame noir sur mes œufs. Cette recette est juste extraordinaire. Et comme dit précédemment, vous pouvez l'adapter également pour vos petits déjeuners. Pour le petit déjeuner du mercredi, j'ai décidé à nouveau de passer sur du salé. Je vais vous montrer comment faire ces toasts d'avocat et pois chiches. Pour ça, dans un saladier, je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, une demi-cuillère à café de paprika en poudre, un peu de sel, un peu de poivre, et je rajoute 4 cuillères à soupe bien remplies de pois chiches. Je mélange l'ensemble jusqu'à ce que les pois chiches soient bien imbibés. Je les passe ensuite dans un four ou dans l'air fryer comme moi, puis je les cuis pendant 10 minutes à 180 degrés. Pendant le temps de cuisson, je découpe quelques tomates cerises en quartiers et je prépare mon guacamole. Je mets dans un récipient un demi-avocat, un quart de jus de citron, un peu de sel, un peu de poivre, puis j'écrase le tout avec une fourchette. Dans cette vidéo, je pense que vous allez connaître par cœur la recette de mon guacamole tellement je vous la fais. Je grille une ou deux tranches de pain demi-complet, puis je passe à la préparation et au montage de mon toast. Je mets ma préparation de guacamole par-dessus, puis je l'étale. Je sors les pois chiches du four, puis je les place par-dessus mon toast. Il ne me reste plus qu'à mettre quelques morceaux de tomates cerises, ainsi qu'un peu de coriandre au persil haché. Et votre petit déj est prêt. Je peux vous dire que je me suis régalée. C'est également une préparation que je fais régulièrement car c'est assez simple à réaliser. Pour la recette du midi et du soir, je me fais des wraps simples au tofu caramélisé. Cette recette est également excellente. Pour ça, je découpe 200 g de tofu en tranches, puis dans une assiette creuse, je place l'équivalent de 3 cuillères à soupe de fécule de maïs. Je les enroule jusqu'à qu'ils soient bien enrobés, et je fais ça sur chacun. Dans une poêle, je place un fond d'huile de sésame ou de friture, puis je fais frire mes cubes de tofu. Une fois le tofu bien doré et croustillant, je l'enlève de ma poêle et je les éponge délicatement avec du papier absorbant. Dans un bol, je place 6 cl d'eau avec 2 cuillères à soupe de sucre de coco, 2 cuillères à soupe de sauce soja non sucrée, 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz, 2 gousses d'ail haché, ainsi qu'une cuillère à café de fécule de maïs. Je mélange la préparation, puis je verse la sauce dans une poêle. Elle doit épaissir petit à petit. Lorsque la sauce commence à s'épaissir, je remets le tofu dans ma poêle et je mélange délicatement pour les imbiber de la sauce. Je les sors du feu et je prépare mes wraps en mettant une cuillère à soupe de fromage blanc non sucré ou yaourt végétal, une bonne poignée de salade sur chacun, ainsi que mes morceaux de tofu caramélisés. Je complète en rajoutant un peu d'oignon rouge, quelques morceaux de tomates cerises, et les voilà terminés. Il ne me reste plus qu'à faire le pliage ou les mettre directement dans une assiette accompagnée d'un peu de sauce de noix de cajou. Cette recette est tout aussi excellente que la première. Vous pouvez les compléter avec quelques haricots noirs ou autres ingrédients de votre choix. Pour le petit déj du jeudi, je vais vous montrer comment faire ces jolis pancakes avec seulement 3 ingrédients. Je vous assure que cette recette n'a rien de compliqué et franchement elle est délicieuse. Pour la réaliser, je place dans un mixeur 100 g de flocons d'avoine, 15 cl d'eau ainsi qu'une banane entière. Je ferme le couvercle de mon bocal et je passe au mixage. Votre pâte doit être lisse et homogène. Vous allez voir qu'elle est un peu liquide, mais attendez quelques minutes que les flocons d'avoine s'imbibent d'eau. La pâte deviendra un peu plus épaisse. Je place l'équivalent d'une cuillère à soupe par pancake dans une poêle, puis je l'aplatis en forme de cercle. Je les cuis une minute de chaque face et le tour est joué. Ce n'est pas forcément des pancakes classiques, mais ils sont vraiment excellents. Je rajoute un peu de beurre de cacahuète par-dessus, ainsi que quelques rondelles de banane. Si jamais vous voulez les sucrer un peu plus, vous pouvez mettre un filet de sirop d'érable et même quelques pépites de chocolat. Cette recette est vraiment très bonne, très simple et surtout rapide à réaliser. Pour le repas du midi et du soir, je vais préparer des patates douces farcies.
Je vous avais déjà présenté une recette dans le style il y a quelques temps, mais celle-ci est un peu différente. Pour la réaliser, vous mettez dans un saladier 100 g de pois chiches, avec un peu de sel, du poivre, une demi-cuillère à café de paprika, ainsi qu'une cuillère à café d'huile d'olive. Je mélange l'ensemble, puis je coupe ma patate douce en deux. Je la quadrille à l'intérieur pour faciliter la cuisson, et je badigeonne d'un peu d'huile d'olive, de sel et de poivre. Dans mon air fryer, je place ma préparation de pois chiches et je les mets en cuisson pour 7 à 10 minutes à 180 degrés. Pour les patates douces, vous avez deux choix. Vous pouvez soit les faire au four, soit comme moi les mettre au micro-ondes pour 10 minutes de cuisson. Pendant ce temps, je prépare mon guacamole en rajoutant, comme d'habitude, un demi-avocat, suivi d'un quart de jus de citron. Cette fois-ci, je rajoute une cuillère à café de yaourt végétal non sucré, un peu de poivre, un peu de sel, et j'écrase la préparation avec une fourchette. Je place mes patates douces sur un support, puis j'écrase l'intérieur à l'aide d'une fourchette. Je sors mes pois chiches du four, et j'en mets sur mes patates douces. Je complète en mettant quelques morceaux de tomates cerises, un peu de guacamole, ainsi qu'un peu de coriandre. Je fais couler un filet de sauce de noix de cajou sur mes patates douces, et le tour est joué. J'adore vraiment ce genre de recette. Pour le vendredi, j'ai décidé à nouveau de me faire un porridge, mais cette fois-ci au chocolat. Pour la réalisation, je place 50 g de flocons d'avoine dans une casserole, suivi de 7 g de graines de chia. Je complète avec une cuillère à café de cacao en poudre, une demi-banane que j'écrase à l'aide d'une fourchette jusqu'à faire une texture de purée. Puis je la rajoute à ma préparation. Je complète en mettant 30 cl d'eau, ainsi que 10 cl de lait d'avoine. Je place ma préparation sur le feu et je cuis à feu doux pendant 5 à 7 minutes. Votre porridge doit s'épaissir au fur et à mesure de la cuisson. Une fois que c'est le cas, je le place dans mon bol de noix de coco. Je complète en y mettant une bonne cuillère de yaourt végétal ainsi qu'une petite cuillère à café de beurre de cacahuète. Je rajoute le reste de ma demi-banane coupée en morceaux et je parsème d'un peu de pépites de chocolat. J'ai rajouté des graines de chanvre et la recette est terminée. C'est également l'un de mes porridge favoris. J'alterne toujours entre les deux et parfois je m'en fais aux fruits rouges, mais là je n'en avais pas du tout dans le congélateur. Pour la dernière recette de la semaine, je vais vous montrer comment faire ce bol de légumes cuit au four. J'ai essayé de rassembler tout ce qu'il me restait un peu dans le frigo, mais malgré ça, il me restait encore pas mal d'ingrédients. Je commence par laver l'équivalent de 200 g de boulgour à l'eau claire, puis je le passe en cuisson pour 10 minutes. Dans un saladier, je mets 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une gousse d'ail haché, une cuillère à café d'harissa, un peu de sel, un peu de poivre, et je mélange ensemble. Je coupe quelques pommes de terre en petits cubes, je dirais environ 6 petites pommes de terre ou sinon 3 suffisent. Ensuite, je les mélange à la moitié de ma préparation d'harissa, et avec l'autre moitié, je place une boîte de pois chiches de 200 g. Je mélange le tout, et je dispose mes petits légumes sur une plaque recouverte de papier cuisson. Je rajoute bien évidemment du chou de Bruxelles en quantité que je souhaite, ainsi que du chou-fleur. Avant de cuire mon chou-fleur et mon chou de Bruxelles, je les mélange avec un petit peu d'huile d'olive. Je les passe ensuite dans le four pendant 25 minutes à 200 degrés. Pensez à remuer vos légumes à mi-cuisson. Si jamais vous voyez que votre chou-fleur et chou de Bruxelles commencent à noircir légèrement, n'hésitez pas à mettre un petit bout de papier aluminium par-dessus. Je prépare mon assiette en mettant 3 bonnes cuillères de boulgour, une bonne poignée de salade, quelques morceaux de chou de Bruxelles, des morceaux de patates, ainsi que le chou-fleur. Je mets par-dessus un peu de pois chiche, ainsi que la sauce de curry. Je parsème d'un peu de coriandre et votre repas est terminé. Pour le samedi et dimanche, je me suis préparé une omelette aux pommes de terre, tomates accompagnées de salade, ainsi qu'un nouveau bol avec le reste d'haricots noirs, du riz, des carottes et de la salade. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.